Accrochez-vous. J'ai du nouveau. Nous aussi. Moi d'abord. Bon, vas-y, on t'écoute. Alors, tu nous le dis avant de t'étouffer. Ok. Il faut que vous compreniez que votre vie va complètement changer. Il s'agit de Charlotte. Elle est devenue... comme nous, une sirène. Oui. Qui vous l'a dit? Lewis vient de nous l'apprendre. Qu'est-ce que tu as à voir avec tout ça? Explique-toi. Non, pas maintenant. Il faut qu'on fasse quelque chose. Pardon. Non, Lewis doit faire quelque chose. Après tout, c'est sa faute. Ma faute? Et pourquoi ce serait ma faute? Ne m'oblige pas à dire encore des évidences. Pourquoi ça sert de chercher toujours des coupables? C'est un fait, Charlotte est une sirène. Ça fait partie de l'histoire. Une histoire qui devient ton problème. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, Lewis. Qui aurait pu penser que j'étais une sirène? Chut! Charlotte, essaie de parler un peu moins fort, d'accord? Oh, oui, tu as raison. Et Cléo, j'aurais voulu voir la tête qu'elle faisait. Tu aurais dû faire preuve d'un peu de finesse, disons. Les habituer à se faire à cette idée. On a toujours l'impression que vous faites partie d'une espèce de club ou je ne sais quoi. Ben, c'est vrai que c'est un peu ça. Moi aussi, je suis membre de ce club maintenant. Ouais. Ouais. D'ailleurs, à ce propos, je suis pas vraiment sûr que les filles soient prêtes à accueillir une nouvelle adhésion à leur club. Pour l'instant, en tout cas. Pourquoi? Tu es bête, ça va bien se passer. Elles n'ont plus rien à cacher. Et l'avantage, c'est qu'il n'y aura plus aucun secret entre nous maintenant. Attends, Lewis. Je veux que tu me fasses une promesse. Plus de secrets entre nous. Bon, bah, d'accord. Plus de secrets entre nous. Ok. Voilà justement les filles que je voulais voir. Vous ne montrez guère d'intérêt pour l'éducation physique cette année, pour la natation encore moins. Y a-t-il une raison à cela? Je suis allergique au chlore, je suis désolée. Et vous, votre excuse? Vous étiez notre championne de natation, pourquoi ce désintérêt? Emma est solidaire avec moi, elle sait que je me sens quelquefois un peu à l'écart. Et c'est à ça qu'on reconnaît une amie, c'est une perle. En effet. Mais je dois toutes les deux vous informer que vous risquez d'avoir un F. Un F? Oh, non, pas un F, s'il vous plaît. Pour moi, c'est juste pas possible. Excellente réaction. Il nous faut une équipe de volleyball pour représenter l'école, ça vous dit? Tu ne vas pas tomber dans le panneau. C'est parfait, je vous inscris. Désolée, mademoiselle Scar, je n'aime pas jouer au ballon. Vous n'avez guère le choix. C'est un F si vous refusez. Moi, je m'inscris. Il faut être 4 par équipe, n'est-ce pas? Oui. Et avec Cléo, ça fait 3. Il n'en manque plus qu'une. À tout à l'heure, sur la plage. Toi, tu as vraiment le chic pour arriver au bon moment. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Enfin, vous voyez, jouer au volleyball. Non mais oh! On va y aller, on a des choses beaucoup plus importantes à régler. Emma a raison. Qu'est-ce qu'on va faire du problème Charlotte? Il faut qu'on l'aide, vous croyez pas? Excuse-moi. Tu as dit... Elle a dit qu'on pourrait... J'ai très bien entendu ce qu'elle a dit. Et il n'en est pas question. On n'était pas amis avant et je ne vois pas ce que ça change. Ne sois pas aussi têtue, on peut y réfléchir 5 minutes. Tu n'aurais pas par hasard des esquimaux au chocolat au congélateur? Il faut que je mange pour réfléchir. J'ai jamais vu une fille manger comme ça. C'est normal? Oui, chérie Ricky, c'est normal. Elle a un métabolisme extrêmement rapide. Merci, monsieur Sartori, vous me sauvez la vie. Ça va déjà mieux. Je peux réfléchir. Et réflexion faite, Charlotte n'a jamais été mon amie. Tu ne veux pas lui laisser une chance? De quoi tu te mêles? Si j'aime pas cette fille, je vois pas pourquoi je l'aiderais. Bah, tu pourrais essayer au moins. Tu sais bien que ce n'est pas facile d'admettre qu'on est comme ça. Et je dis comme ça pour ne pas dire le mot exact. Et vous, au moins, vous n'étiez pas seule, vous aviez vos... Comme Charlotte à son petit Lewis. Arrête, je vois pas ce qu'elle a fait de mal, Ricky. Ça lui est tombé dessus comme à vous, non? Ne cherche pas encore à noyer le poisson. On connaît tous le coupable, n'est-ce pas? Ok, ça suffit. Essayons d'être un peu responsables. Ricky, je suis sûre que tu te souviens de ce que tu as éprouvé quand tu as su que tu étais... une sirène. En plus, Charlotte est la petite fille de Gracie. Je ne vois pas le rapport, moi. Bien,
On n'a qu'à faire un vote. Qui veut que Charlotte soit dans le groupe? Moi aussi. Très peu pour moi. Je n'en sais rien. Je trouve qu'il y a du pour et du contre des deux côtés. Cléo, j'aimerais bien que tu sois avec nous sur ce coup. Oui, qu'est-ce que ça change? On sait que tu as connu quelques changements dernièrement. Oh. Oui, on peut dire des choses comme ça. On est d'accord pour t'aider. On va t'apprendre nos trucs. Ok, les filles? Ok. Ok, puisque vous le dites. Mais bon, si tu veux te débrouiller toute seule, c'est comme tu veux. Oh, non, vous voulez rire? Moi, je trouve que c'est super, on va devenir des sœurs en quelque sorte. T'excites pas trop, chérie. Quand on est ce que tu sais, il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir. Ah, oh, en fait, je connais déjà plein de choses comme se méfier de l'eau et tout ça. Oui, mais il y a d'autres trucs à savoir. Pousse-toi. Mais c'est fou, comment tu fais? Attends, c'est pas tout. Oh! Ah oui, et c'est pas fini. C'est un don, c'est tout. Elles ont toutes eu des pouvoirs quand elles sont devenues sirènes. Et on a besoin de... Oui, on voudrait savoir si tu... On veut savoir quels sont tes pouvoirs. Ok, maintenant, concentre toute ton énergie sur l'eau qui est dans le verre. Bon, ça va, c'est bien. Il faut que tu inspires fort et que tu essaies encore. Tu sais, faut pas te prendre la tête. Tu dois juste être un peu lente à apprendre. Comme toi. Ça t'a pris combien de temps? Oh, ça a été très très long. Je ne voulais même pas essayer. Peut-être que je n'ai pas de pouvoir. Ce serait la catastrophe. Ne t'en fais pas, Charlotte. Nous sommes tous avec toi. Dis des choses positives à propos de Charlotte et peut-être qu'elle finira par y arriver. Ok. Je crois que tu as raison, Cléo. Charlotte n'est pas si mal. Je la trouve pétillante. Elle est facile à vivre, plutôt intelligente. C'est surtout ses sourcils que j'aime bien. Tu aimes bien ses sourcils? Enfin, l'important, c'est qu'on lui donne sa chance. Tu es d'accord, Ricky? Bien essayé, mais je ne marche pas. Je n'aime pas cette fille et je ne l'aimerai jamais. Et à ce propos, j'ai quelque chose... Vous êtes là. Je suis sûre que vous serez ravie d'apprendre que j'ai trouvé votre équipière pour le volet. Charlotte est volontaire. Salut les filles. Je sens que ça va être génial. C'est fantastique. Ah, c'est vraiment trop cool de vous voir jouer toutes les quatre. Allez, qu'on en finisse. Ok, on y retourne. Oh,
Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? C'était pour moi. Il faut dire chais si tu prends. Est-ce que tu regardes la balle? Elle venait droit sur moi. Mais pas du tout. Ok, c'est bon les filles. On s'arrête une minute. Et on respire. Vous êtes passionnées par le jeu, c'est bien, mais souvenez-vous, vous jouez contre une équipe demain, et qui est souvent au top niveau. Ne vous en faites pas, on sera prêtes. Vous en êtes vraiment sûre? On part gagnante. J'ai toujours réussi ce que j'ai entrepris, je ne vais pas échouer cette fois. Elle ne m'aime pas. Moi, je t'aime bien. Il faut que tu sois patiente. Laisse-leur du temps. Elles en ont eu du temps. Elles ont toujours été toutes les trois. Et toi, tu es nouvelle. C'est normal qu'elles soient un tout petit peu distantes au début. Oui, tu as peut-être raison. Bien sûr que j'ai raison. J'ai toujours raison. Oh, sauf que je suis en retard. Désolé, il faut que j'y aille. Ça ne marchera jamais avec Charlotte. Donne-lui une chance, Ricky. Ça ne vient pas seulement d'elle. Les sirènes à l'origine étaient un groupe de trois. Et j'ai l'impression que quatre, ce n'est pas le bon chiffre. C'est déséquilibré. Là, tu exagères. Non, il se peut très bien qu'il y ait une loi universelle qui s'y oppose. Si c'était vraiment le cas, eh bien, elle n'aurait jamais pu au départ devenir une sirène. Cléo, elle sort avec ton ex. Je suis sûre que toi aussi, ça t'énerve. Je ne suis plus avec lui maintenant. C'est de l'histoire ancienne. Tu vois, Ricky, il faut que ça marche pour notre tranquillité. De notre monde alors que personne ne l'avait invitée. Écoute, que ça te plaise ou pas, elle est comme nous. Elle n'est pas comme nous. D'ailleurs, elle n'a aucun pouvoir magique. Et pourquoi n'a-t-elle aucun pouvoir? Parce qu'il n'y a que trois pouvoirs et qu'ils sont déjà en main. Ce qui confirme mon idée selon laquelle il ne peut y avoir que trois sirènes et pas une de plus. Ça y est, j'ai trouvé mon pouvoir. Bien sûr, tu as beaucoup d'imagination. Je vous jure que j'ai réussi. Je vais vous montrer. Vous avez vu ça? Je déplace l'eau sur commande. C'est le même pouvoir que moi. Et alors? On peut partager. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir me montrer comment m'en servir. Génial. Ouais, attention, elles assurent. On va les avoir les doigts dans le nez. Très joli coup. Elle a l'air très douée pour ce sport. N'entre pas dans leur jeu, elles cherchent à nous déstabiliser. Tu crois que ça m'impressionne? Oh. On se concentre bien. C'est dans la poche. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Ça veut dire quoi, ça? Tu devrais cogner plus fort. Je suis désolée, mais il y a dû avoir un coup de vent. C'est pas de chance pour vous. C'est faux. Aucune chance de gagner. Il y a un truc, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense
Il y a dû y avoir un coup de vent. De la chance. Moi, j'avais vu le ballon partir complètement out. Reprenez vos places pour le service, les filles, ok? Prêtes? Jolie! Attention, elle revient! Bravo, les filles. Dites, vous croyez pas que vous en faites quand même un peu trop? Mais oui, elles se rendent pas compte de ce qui se passe. Elles vont pas tarder si vous continuez. Merci pour le conseil, Gogol. Bien, je garde mon opinion pour moi. Moi, je crois qu'on peut gagner. En trichant? Lewis, ne te mêle pas de ça. Tu entends ce qu'elle te dit? Te mêle pas de ça. On va y arriver. On va leur mettre la pâtée. À nous quatre. Vive l'équipe! On va prendre l'amendement, les filles, ok? Yes. Allez! Allez! Hop, hop! On a de quoi! Ça, c'est malin! Allez, on y retourne, les filles! Continuez comme ça, c'est dans la poche! Vous voulez pas sécher la balle avant? Quoi? C'est pas trois gouttes d'eau qui vous effraient? T'es dans l'eau, vite! T'aurais pas dû toucher la balle! Enfin, qu'est-ce qu'il lui prend? Génial. A réussi à... Oui. Avec mes mains, j'ai généré de la chaleur et j'ai fait évaporer l'eau. Comment? Je l'ai fait, un point, c'est toi. On va se reprendre. Qu'est-ce qu'elle fait, l'autre? Je sais pas pourquoi elle a bougé, ouais. C'est bizarre. En plus, je devrais partir. Allez. On a dépassé le temps de pause réglementaire. L'arbitre vous donne encore une minute. Après, il vous déclare forfait. Nous sommes désolés, mademoiselle. Je pense qu'elle va arriver. Bon. Parce que si on perd ce match, on sort de la compétition. Et par conséquent, pas de volley-ball pour récupérer vos heures d'absence. Ce qui veut dire que vous aurez un F. Alors, les filles? Je t'interdis de le dire. De dire quoi? Je vous l'avais bien dit. Est-ce que c'est mon genre, Emma? Encore 30 secondes. On va les enfoncer. Ça va pas se passer comme ça. Oh, c'est trop bête. Tu sais, tout le monde n'est pas aussi fiable que Charlotte. Ok, attendez, cette fois on est prête. Oui, je suis là. Oui, tout ce qu'il y a de bien. On peut y aller? Yeah.
C'est une balle de match. Buvons à la victoire. Oh, admets-le, Ricky, maintenant, tout a bien marché. Oui. Mais il y a une chose là-dedans qui m'échappe. Comment as-tu fait pour sécher aussi vite? En fait, c'est facile. Je croyais que tu avais les mêmes pouvoirs que moi. Oui, mais j'ai aussi ceux de Ricky. Oui, et en plus j'ai... J'ai aussi ceux d'Emma. Quoi? Je trouve ça génial. Ça veut dire que je suis une sorte de super sirène.